Voilà, ceci c'est pour vous montrer en fait. Ici, bon, c'est qu'en fait, je suis tombé. Bon, là c'est qu'une voiture, mais ça prouve rien. Mais en fait, j'ai réussi à passer la barrière de la frontière. Même si, soi-disant, c'est sur. Enfin, c'est surveillé, évidemment, c'est surveillé. Ah, j'ai été arrêté plusieurs fois. Mais là, je suis en Allemagne. Et il n'y a personne qui m'arrête. Donc ils ne surveillent pas partout, évidemment, c'est pas Dieu. Hein, les policiers allemands ne sont pas Dieu. Et ils ne maîtrisent pas les éléments. Parce que tu sais, quand t'es malin un petit peu, tu sais comment on passe. Ouais. Et le coronavirus, c'est juste de la politique. Enfin, hello. Ah, so. Hier sind wir in Deutschland und es gibt nicht Polizei überall. Das ist unmöglich und das ist irgendwas gegen ein Coronavirus. Ein Virus ist wie Gott. Er passt überall. So, er will. Und wie er will. Und hier sind wir in Schweigen, das ist in Deutschland, in Südpfalz. Und die Grenze sind abgeschlossen. La frontière, elle est fermée, en fait. Mais, ici, voilà, j'ai réussi à passer. Ich habe es geschafft und ich bin stolz dazu. Oui, je suis fier d'avoir pu passer cette satanée frontière. Parce que personne ne m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire si je pense que ce que je veux faire, c'est la bonne solution. Ça, c'est la fameuse église protestante de Schweigen. Où il n'y a pas un chat. Enfin, si, il y a des gens. Et ça, c'est la fameuse fontaine de Napoléon. Oui, parce que Napoléon passe aussi en Allemagne, apparemment. Il est passé partout en Suisse, en Allemagne. Un mec qui n'avait pas de frontières, lui. Voilà. Et c'est écrit en français, érigé par la commune de Schweigen depuis 1911. Mais Napoléonsbrunnen, et puis c'est écrit normalement. Et ici on voit protestantische Kirchengemeinde. Voilà, donc je voulais finir là.